voir l'équipe pressée à l'est. Ils ont rien vu. Et Market Street alors? Ouais, ils ratissent la zone en ce moment. Ils les trouveront peut-être là-bas. J'espère vraiment que ces intrus vont foutre. Merde, ils sont trop partis. Joël, il y a un type au premier étage, juste là. Ouais, je le vois. Pas un bruit.
boîte. Oh, il a même pas donné de thé, je le kiss. J'ai vécu dans ce genre d'endroit, en zone de quarantaine de Boston.
Juan.
T'as quoi dans le ventre? Couvre-moi! Compris. Je crois qu'on les a semés.
Tout va bien. Ils peuvent pas nous voir. C'est quoi ça? Joël! Attends! Joël, arrête! Regarde! Laisse-le tranquille! Du calme, petit. Fais pas de bêtises. Ça va. C'est pas des méchants, eux. Baisse le flingue. Oh merde, tu frappes fort. C'est parce que j'essayais de te tuer. Ouais, j'ai cru que t'étais avec eux aussi. Après, je t'ai vu. Vous avez peut-être remarqué, y a pas de gosses avec eux. La loi du plus fort. Tu saignes ? Bon, non, c'est rien. Je m'appelle Henri. Lui, c'est Sam. J'ai cru entendre que tu t'appelais Joël. Ellie. Qui d'autre est avec vous ? Ils sont morts. Hé, on n'en sait rien. On était plusieurs. Quelqu'un a eu la super idée d'entrer dans cette ville pour chercher des vivres. Ces enfoirés nous ont tendu un piège. On a été séparés. Maintenant, on essaie de sortir de cette merde. On peut faire équipe. Ellie. Il faut qu'on se serre les coudes. Elle a raison. On pourrait s'entraider. On a une planque pas loin d'ici. On sera en sécurité pour parler. Ok, on vous suit. Suivez-moi. Désolé pour l'histoire du flingue. T'inquiète, j'aurais sûrement fait la même chose. Vous êtes d'où ? Nous, on vient de Hartford. Vraiment ? On m'a dit que c'était pas la zone. Mais à abandonner la zone. Alors on est parti. Ça doit ressembler à ici. Qu'on soit prudent. On est près d'un des postes de surveillance. T'es seul avec ta fille ? C'est pas mon père, c'est juste. J'ai promis à quelqu'un de veiller sur elle. Ouais. Je peux comprendre ça. Et voilà. Ellie, j'ai trouvé une autre de ces BD que tu aimes lire. Attendez, taisez-vous. Écartez-vous des fenêtres.
Ils sont partis. Merde, ce foutu camion. On nous pourchasse depuis qu'on est arrivé dans cette... Sam, qu'est-ce que tu fais? Rien. Jette-moi ça. Mon sac à dos est quasiment vide. C'est quoi la règle sur ce qu'on prend? Mais ça pèse rien. La règle, c'est quoi? On prend le minimum. C'est ça. Allez, on y va. Il est loin, cet endroit. On arrive. C'est tout près. Merde. T'as trouvé quoi? Ellie, tu nous couvres. Bien sûr. Sam. Et où sont les autres? Reste avec elle. On voulait refaire un dernier tour, pour s'assurer qu'on n'ait rien loupé. Ok. Va jeter un œil par là. J'ai fouillé cette zone. Regarde par ici. Va voir par là-bas. Tout va bien. Pas mal pour un vieux. Allez, sur le camion. Et reste là. Lol. Smiris. Ok. Par cette porte. Toi qui les connais bien, tu es certain que c'est sûr? Je suis le seul qui a la clé. Et d'où tu la tiens? J'ai tué l'un d'entre eux. Il lui servira plus. Allez, passez. C'est par là. Alors, t'as quel âge? Non. 14 ans. Et toi? Pareil. Ah, t'as 14 ans. Presque. C'est ça. C'est vrai. On y est. Faut qu'il y ait dit. Bienvenue dans mon bureau. Ça fait longtemps que vous vous cachez ici? Quelques jours. Et on a trouvé un... Viens. Des myrtilles? On en a toute une réserve. T'en veux? Non.
Eh, hey, détends-toi, on craint rien. Alors pourquoi vous êtes pas parti? On attendait juste le bon moment. Et? Viens, je vais te montrer un truc. Regarde ces fils de pute. Tous les jours, ils se retrouvent ici pour surveiller ce foutu pont. Mais le soir, ils sont plus que quelques-uns. Quand le soleil est couché, c'est notre chance. Vu ce qu'il reste, on peut leur passer sous le nez. Ça peut marcher. Oh, ça va marcher. Ça va carrément marcher. Wow. Ok, prête? Aïe! Attaqué par... Ça faisait longtemps que je l'avais pas vu sourire comme ça. Elle a pas l'air de s'en faire beaucoup. Où est-ce que vous alliez? Il paraît que les lucioles sont implantées quelque part à l'ouest. On peut les rejoindre. Ouais. Ça te fait marrer? Ben, j'ai juste l'impression qu'il y a un paquet de gens qui misent tout sur les lucioles ces jours-ci. Ouais, c'est peut-être pas par hasard. Alors, tu sais pas où ils sont et tu comptes lui faire traverser tout le pays pour les retrouver. Tu sais quoi? Tu vas me laisser m'occuper de mon frère et tu vas t'occuper de ta gamine. Détends-toi. Nous aussi, on cherche les lucioles. On est là. Il y a une station radio militaire abandonnée à l'extérieur de la ville. Les survivants de notre groupe sont censés nous retrouver là, demain. Si toi et ta fille voulaient venir, c'est cette nuit que ça se passe. On devrait se reposer un peu alors. Il dit qu'il faut qu'on y aille. On va devoir être rapide, d'accord? Alors peu importe ce qui se passe, tu me colles. Tu te colles. Me colles. Compris. Bien, bien. Bon, tout le monde est prêt? Ouais. Ok. Vous éloignez pas, ok? T'as déjà essayé? Ouais. C'est rassurant. Relax, grand-père. J'espère que tu connais le chemin. Faut qu'il y ait les temps trouvés. Par ici. Ok. On s'en débarrasse discrètement. Bon, à toi. Ça marche. Hé, hey, comment ça va? J'essaie de me réchauffer. Qu'est-ce que ça donne là-bas? On a abattu quelques infectés, mais aucun signe de ces intrus. Tu crois qu'ils sont toujours en ville? Ouais. Double kill. C'est bon, allez, on avance. Nope. Yeah.
Yaris, Ol, Sadri. Regarde, le voilà, là! Sans bonbon pour tirer ta bandage. Essayez de vous planquer! Henri, file-moi un coup de main. Ok. T'es prêt ? Oh non, merde, vite ! Entrez ! Arrêtez-vous ! Hé ! Ils sont là-bas ! Merde ! Oh non. Ah, c'est bon. Allez, venez ! Restez sur vos gardes, on est encore... Allez, va jeter un œil. C'est bon, Sam, amène-toi. Allez, petit, on y va. Allez. Oh, merde. Allez, vite. Allez. Faut le faire monter. Désolé. On s'en va. Quoi ? Non ! Quoi, tu déconnes ? Allez, viens ! Qu'est-ce que tu fous, Henri ? Je pars pas sans toi. Comment on sort d'ici ?
se déploie. Voyons ce qu'on peut récupérer. Que ça te monte pas à la tête. Vise plutôt les leurs. En dessous. Tu vois une autre solution? On saute! Non, c'est trop haut et tu sais pas nager. Je vais t'aider et tu vas t'enfuir en courant. Oh merde! Tu m'aideras à nager! Ellie! Pas le temps de discuter! Ellie! Fais chier! Madame! Henri, il est réveillé. Joël, on est vivant. Okay. Tu vois, je te l'avais dit, pas vrai? Il est vivant, tout va bien. Tu sais, c'est Sam qui vous a vu. Vous étiez sur le point de vous noyer. Ça va, qu'est-ce qui te prend? Henri, recule, petit. Il est énervé, mais il va rien faire. T'es sûr de ça? Arrête! Joël! Il nous a abandonnés là-bas. Non, vous pouviez vous en sortir, et vous avez réussi. Mais revenir vous chercher, c'était le mettre lui en danger. Recule. Si ça avait été toi, tu serais revenu pour nous? Je t'ai sauvé. Il m'a sauvé aussi. On se serait noyé. Faut qu'il me pète une barre. T'inquiète pas, je vais bien. Fais ce que tu veux, mais je suis content que vous ayez vu. Bon, la tour radio est derrière cette falaise. Ok? Il y aura plein de vivres là-bas. Tu vas être heureux de ne pas m'avoir tué. C'est tendu. Alors cherchez cette tour.
trouvera peut-être quelque chose dans ce bateau là-bas. Ouvre bien l'œil. Je t'ai pas attendu, petit. C'est pas tout à fait pareil une fois sur l'eau. Ellie, j'ai trouvé une autre BD que t'as l'habitude de lire. Je crois qu'on a trouvé quelque chose. Allons voir ce que c'est. Bouge tes couilles. Eh, je parie que ça donne sur l'extérieur. Ok, ensemble. Allez. J'ai besoin d'un coup de main. Ok, les gars, go! Ok, c'est parti. Ok, vas-y. Ok. Hey, sortez volants. Sam, t'es loin. T'as enfin capté. Ah, super. Joël, on devrait aller voir par là. Ok, on va aller de ce côté. Je vais défouler de la caméra. Dégagez la porte. Oh, merde. Ce rat est énorme. Fucking. Hey, par ici. Je crois qu'ils vont venir avec nous, parce que chez Tony. Ça, je sais pas. Il va falloir attendre de voir comment les choses évoluent. On peut sortir par là ? Non, impossible. Bah, je sais pas nager. Eh ben, on est deux. C'est coincé. Ok, Joël. Comment on traverse ? Faut
faut trouver quelque chose. Hey, ce truc est sur une sorte de rail. Je peux pas l'atteindre. Henri, essaie pour voir. Ok. C'est parti. Ouais, ça marche. Je vais jeter un œil. Vas-y, Ellie. Ah, je vois. Pas bête. J'ai hâte de sortir d'ici. Regarde si ce générateur marche encore. Je le sens pas. Pas la poisse. Donne ta main. J'avoue, vous m'impressionnez tous les deux. Il y a des gens à l'intérieur ? Peut-être. On va vraiment entrer là-dessus ? On n'a pas le choix. Oh, merde !
piège sonore. Quoi ? C'est une sorte d'alarme. J'entends rien, moi. Ouais, quelqu'un vivait ici. Mais on dirait que c'est plus le cas aujourd'hui. Qui voudrait vivre ici ? Quelqu'un qui penserait pouvoir sécuriser cet endroit. Oh ! Nice. Allez, non. Oh, relax. Eh, hey, Sam, ouais. Mets-toi en face. D'accord. Ouais. Ok, vas-y. Chut. Silence. On sait ce qui est arrivé à ces gens. Vu qu'on est tombé sur un claqueur, ils sont partis depuis longtemps. On continue à avancer. On n'a plus qu'à espérer qu'il n'y en a pas d'autres. Hey, tu crois que ça conduit dehors ? Possible. Mais c'est trop haut pour la petite échelle. Il y a peut-être un autre moyen d'y accéder. Ça va ? Ouais. Ouais, ça va. C'est moi. J'ai dû déclencher une sorte de porte de sécurité. Henri, essayons de la soulever. Bon, c'est plutôt gênant. Ouais, je
Je sais, toujours des claqueurs. Quoi? Et ce sale truc bougera pas. Courez, allez-vous-en. Sam, reste à côté de lui. Henri, faut qu'on bouge de là. Fais bien gaffe à lui. Allez. Tout va bien se passer. Ouais, ouais, je sais. Allez, viens, petit. On va essayer de sortir de là, ok? Ok. Holy fuck, y'en a ce peuple. Vous avez vu? Restez derrière moi. Si je cours, vous courez. D'accord. Ah oui, je pouvais avoir quelque chose, Chris. Mais il y a rien à chercher. Yeah!
Bon, on va repartir. Ça ira. D'accord. Regardez cet endroit. On dirait une salle de classe. Vas-y. Ils n'ont pas pu se défendre. Et voilà. Bien joué. Dépêche-toi! Allez, Sam, tu vas sortir ici. Et toi alors? T'inquiète pas. Allez, vas-y. Tiens-toi prêt! Vous rigolez ou quoi? Merci de m'avoir prévenu, les gars. Elle est où, cette tour? C'est proche. Allez, on y va.
chaud. Regarde ça! Ouais, qu'est-ce que j'avais dit? Trouvons un moyen de l'atteindre. Et toi, comment ça va? Ben, comme d'habitude. Comme j'étais avec Henri, j'ai descendu quelques infectés. Ouais. C'était plutôt intense tout à l'heure. Ah ouais. Comment vous vous êtes rendu? Oh. C'est une amie, Marianne, qui lui a demandé de me conduire au lycée. Ouais, enfin. Moi, c'est comment, hein. J'ai pas raison, ouais. J'avais 5 ans quand le cordyceps s'est apparu. Mes souvenirs sont un peu flous. Mais je me souviens qu'on vivait dans un quartier comme celui-là. De quoi tu te souviens? Les barbecues. Nos parents, ils organisaient d'énormes barbecues et ils arrêtaient des pommes de vent. En fait, je me souviens surtout de l'odeur. Bizarre. Oh, des chiens! Je te conseille de pas les approcher de trop près. Ils sont pas comme ceux de la zone. Ils sont sauvages. On se met au travail. Ça tiendra.
Ellie, j'ai encore trouvé une de ces BD. Super. Hey Sam. Ouais, d'accord. Bon, je commence. Oh. Mince. À toi. Ok. Non. Ouais. Elle était là. Ouais, on dirait bien. Comment on va les retrouver? Je connais un gars. Mon frère, en fait. Il faisait partie des Lucioles. À ce que je sais, il était dans le Wyoming. On y va, on le retrouve, et on trouvera les Lucioles. T'en dis quoi, vous en êtes? Ça m'a l'air d'un bon plan, ouais. C'est un marchand de glace. Un marchand de glace? Ouais, c'est Henri qui m'en a parlé. Il vendait des glaces dans le camion. Non, j'y crois pas. C'est vrai, Joël? Non, c'est vrai. Le camion passait dans le quartier, avec cette horrible musique à fond, et tous les gosses sortaient en courant pour lui acheter des glaces. Vous êtes en train de vous foutre de moi? Non, je te jure. Waouh, on est pas que t'es bizarre. Je te l'avais dit. Enfoiré de sniper. Est-ce que t'as vu le camion? Plus loin dans la rue. Très bien. Restez tous ici. Non. Avant d'y aller, je voudrais que vous fassiez diversion. Je vais essayer de trouver un endroit d'où je pourrais l'atteindre. Ok. Hé, sois prudent. Oh, ça doit faire mal, hein. Vous voilà! Ça doit faire mal, hein. Putain, vous avez intérêt à partir d'où vous venez.
quelqu'un par là. On se déploie. Dans ce bâtiment calciné. Chopez-les, les gars! Allez, jouez-moi.
vous êtes ? Hein ? Chopez-les, les gars ! Où est-ce que vous êtes ? Je vous vois ! Spédateur de tête morte de Corlys. Vous êtes sur notre territoire. Dans ce bâtiment calciné. Dans ce bâtiment calciné. Chopez-les, les gars! Venez, j'ai envie de jouer! Ça donne quoi? Que dalle, de son côté. Pareil. Continue. Ah. Attrapez-le! Chopez-les, les gars! Allez, montrez-vous où que vous soyez. Chopez-les, les gars.
Oh merde! Dépêchez-vous. Merde. Bordel. Vache, comment c'était tendu! Tout va bien, Sam? Ouais, ça va. Merci, Joël. Hé, hey, regarde ça. C'est bon. Tout va bien. On doit y aller. Très bien. Sam! Henri! Sam, tout va bien? Ouais, ouais, ça va. Vraiment? J'ai dit ça va. Allez, allez! En route! Déconne. Non, je te jure. C'était l'anniversaire de Tommy, et la seule chose qu'il voulait faire,
C'était loué de Harley et traverser le pays. Ah, merde. Qu'est-ce que je donnerais pas pour en faire juste un tour. C'était comment? C'était bien, super bien. Bien? Eh non, mais tu l'entends? Allez, mec, quoi? Donne-moi des détails, décris un peu. Bon, vous savez quoi? Vous deux, vous avez besoin d'être seuls. Non, Ellie. On parle pas de n'importe quelle moto, là. Quand t'es sur cette bécane avec le moteur qui ronfle, ça n'a pas de prix. Ah ouais? Et qu'est-ce que t'en sais? Je l'ai vu, en vrai. Je pense qu'aucun membre de notre groupe viendra. Ouais. Le pire dans tout ça, c'est de l'expliquer à Sam. Bon, c'est officiel, ces deux-là sont devenus potes. Qu'est-ce que tu fais? Je fais la liste de la bouffe qu'on a trouvée aujourd'hui. Je vois. Et on en est où au niveau des pêches en conserve? C'est Henri qui t'envoie. Non? Pourquoi Henri m'enverrait? Pour s'assurer que je fais pas de conneries. On s'en est plutôt bien sortis tout à l'heure. Surtout toi. Est-ce que tout va bien? Ouais, ça va. Ok. Ben... dors bien. Pourquoi t'as jamais peur? T'as dit ça. T'as peur de quoi? Voyons voir. Les scorpions sont assez flippants. Être toute seule. J'ai peur de finir toute seule. Et toi? Ces créatures dehors. Et si les gens étaient toujours conscients? S'ils étaient encore là, mais qu'ils contrôlaient plus leur corps? J'ai peur que ça m'arrive. Ok. D'abord, on forme une équipe, ok? On va s'entraider. Et deuxièmement... ils ressemblent peut-être à des gens, mais la personne est morte depuis longtemps. Henri dit qu'ils sont partis ailleurs. Qu'ils sont avec leur famille, genre au paradis. Tu crois que c'est vrai? Ça dépend des fois. Enfin, j'ai envie d'y croire. Mais t'y crois pas? Je crois que non. Ouais. Moi non plus. Oh! Avec tout ça, j'ai failli oublier. Tiens. S'il sait pas que tu l'as, il peut pas te le prendre. Allez, je suis crevée. On se voit demain. Ça sent trop bon. Bonjour. Où est Sam? Je l'ai laissé dormir pour une fois. Hein? Mais si tu veux qu'il nous rejoigne, tu peux aller le réveiller. Ok. Sam? Sam! Qu'est-ce qu'il y a? Merde, il se transforme!
c'est mon frère, putain! Et merde! Merde! Ellie! Ellie, est-ce que ça va? Ah ouais. Oh non. Sam? Sam! Henri! Ellie, bouge pas. Henri! Qu'est-ce que je veux, Sam? Henri, je vais te prendre ton arme, d'accord? Sam! Ok, ok, du calme. C'est ta faute! C'est la faute de personne, Henri. Tout est ta faute! Henri! Henri, non! Oh mon Dieu! De Jackson. Ça veut dire qu'on n'est pas loin de Jackson, non? Quelques kilomètres, pas plus. Prêt à voir ton frère adoré? Je serais content d'arriver. T'es nerveux? Je sais pas ce que je ressens. Quoi entre vous? Comment ça? Tommy et toi? Si vous êtes séparés, c'est qu'il y a une bonne raison. C'est juste qu'on n'était pas d'accord sur un point. Ah, nous y voilà. Quel point? Tommy voyait le monde d'une façon et moi d'une autre. Et c'est pour ça qu'il a rejoint les Lucioles. Ouais. Ouais, ta copine Marlène lui a vendu du rêve. Ça l'a occupé pendant un temps, mais Tommy étant ce qu'il est, il a fini par laisser tomber. C'était comment? Je crois que la dernière chose qu'il m'a dite a été « Je vais plus jamais revoir ta sale tronche ». Eh ben… Mais il va nous aider? Ça, on va le savoir très vite. En tout cas, on y arrivera. Avec ou sans son aide. Allez, on continue. Ça, là-bas, c'est une centrale hydroélectrique. Hydro-quoi? Ça utilise l'énergie de la rivière, et ça la transforme en électricité. Et comment ça marche? Écoute, je sais ce que c'est, pas comment ça fonctionne. Ça nous amène à mi-chemin. Si on lève la deuxième, on pourra traverser. Ok. Je vais trouver un truc. Reste ici.
Ok, Ellie, il faut que... Je sais que je grimpe sur cette foutue palette. Allez, vas-y, tourne. Hey, fais gaffe en traversant. Mais oui. Quelle équipe. Ouais. J'ai oublié de laisser ce sale robot sur sa tombe. Qu'est-ce que je dois en faire ? Ellie. Quoi ? J'ai envie qu'on en parle. Non. Pourquoi pas ? Combien de fois est-ce que je dois le répéter ? Les choses arrivent, mais on avance. C'est juste... Ça suffit. T'as raison. Désolée. Faut qu'on arrive chez Tommy. Je sais, moi aussi. Bon, le prochain étirage, juste à côté. Une fois passé cet endroit, on essaiera de trouver à manger. Est-ce qu'on entre ? Il n'y a pas d'autre chemin. Passons par la centrale. Dégainer ton arme et dis à la fille de lâcher la sienne. Ellie, fais ce qu'elle te dit. Ok. Dites-moi que vous êtes perdu. Écoutez, on savait pas que l'endroit était habité. On voulait simplement traverser. Pour aller où? Tout va bien. Tu les connais, ces gens? Lui, oui. C'est mon putain de frère. Tommy. Oh, merde. Comment tu vas, petit frère? Oh putain! Ouais. Laisse-moi te regarder. Oh. T'as pris un sacré coup de vieux. C'est bon, ce sera bientôt ton tour. Ça, c'est Maria. Sois gentil avec elle, c'est. C'est elle qui dirige cet endroit. Madame, merci de ne pas m'avoir descendu. Ça aurait été gênant, vu que vous êtes mon beau-frère. Va falloir qu'on s'explique à un moment. Ellie, c'est ça? Ouais. Qu'est-ce qui t'amène ici? C'est une longue histoire. Pourquoi on les ferait pas rentrer? Ouais. Ok. T'as faim? Oh, carrément. Alerte! On les connaît. On subit pas mal d'attaques. Il y a plein de bandits dans le coin. C'est calme depuis quelques jours. Qu'est-ce que tu fous ici? Je pensais te trouver à Jackson. On essaie de redémarrer la centrale.
On avait réussi à la relancer, mais une turbine est tombée en panne. On a l'électricité. Enfin, on avait. On va la récupérer. J'y crois pas. Vous avez des chevaux? On en a plein, même. Hé, hey, Tammy, donne-moi un coup de main. Désolé, je reviens. Je peux? Oui, bien sûr. Il aime qu'on lui caresse les oreilles. Tu es déjà monté à cheval? Eh ben, ouais. Quand est-ce que t'as monté à cheval? C'est Winston, un soldat de la zone. C'est lui qui m'a appris. Si tu veux, on pourra aller faire un tour avec lui tout à l'heure. Ça serait super. Voilà. Eh, merci, Tommy. Pas de problème. Allez, on continue la visite? Earl? Oui? Qu'est-ce que tu fais là? T'étais pas censé rentrer ce matin? J'attends toujours Couser et les gars viennent me relever. On va se débrouiller. Allez, va rejoindre ta famille. J'en ai plus que pour 2 heures, ça ira. D'accord. Mais n'en fais pas trop. Ouais, allez-y. On est dans la salle de contrôle. Steve va tout remettre en route. Tu viens jeter un œil? Je préfère manger avec Ellie. C'était mon tour de toute façon. J'y vais. Je viens avec toi. Va avec Maria et mange quelque chose. Joël? Allez, Ellie. Laissons les gars travailler. Bon, je vous envoie Tommy. Bougez pas. Allez. Ce sera la 6e fois qu'ils essaient de relancer les turbines. Une semaine qu'on est là, mais ça semble long. J'ai quelque chose pour toi. L'an dernier, je suis retourné à la maison, au Texas. Le plus gros de nos affaires manquait. Le plus gros. Tiens. Elle est un peu passée, mais elle est encore chouette. C'est bon. T'es sûr? J'ai dit c'est bon. Ok. Je vais la garder pour toi. Tommy... Écoute, il faut que je te parle. En privé. Ouais, ok. Je vais juste aller voir les gars vite fait. Allez. Je sais pas ce que tu sais, mais va voir la ville. On compte plus de 20 familles maintenant. C'est Maria et son père qui ont créé cet endroit pour vivre de façon autonome. On a des plantations, du bétail. On pensait que ce mode de vie était mort et enterré. Et pourtant... Et niveau sécurité? Les adultes gardent le périmètre à tour de rôle. On a même une barrière électrique quand la centrale marche. Et vous avez toujours affaire aux infectés, hein? Ouais, comme partout. Faut bien faire avec. C'est peut-être pas obligé. Tu parles comme Marlène. Salut, toi. C'est Buckley. C'est pas un bon chien de garde. C'est un bon chien. Mais j'aime bien l'avoir ici. Ces deux génies vont nous remettre la centrale sur pied. Je crois que c'est la bonne cette fois.
Quoi, tu ne crois pas? J'ai pas dit ça. Je te parie 1 000 000 que ça marche. Ok, disons 2. On est presque prêts. Ils n'ont plus qu'à finir d'installer le bouclier. Très bien. Ça ira très bien. À gauche, faites gaffe. Ok, c'est bon. Faites-le doucement. Juste une petite seconde. Ok, c'est bon. Prêt ? Vas-y, démarre. Oh putain. On a réussi. Bon boulot, les gars. C'est impressionnant. Tu vas devoir me trouver 2 000 000. Tu l'as dit. Allons en discuter. C'est une sacrée équipe que t'as là. C'est des types bien. Cet endroit leur donne une seconde chance. Il nous donne à tous une seconde chance. Pourquoi t'as quitté Boston ? Je me suis lancé dans une drôle d'aventure. J'imagine que c'est lié à cette gamine. Tout est lié à cette gamine, petit frère. Allez ? Vas-y, raconte. Elle est immunisée. Contre quoi ? Écoute, je le sais. Je l'ai vu respirer assez de spores pour tuer 10 d'hommes. Et rien. Je n'y aurais pas cru non plus. Mais je peux te montrer. Ok. Je te crois. Pourquoi l'amener ici ? J'étais censé la livrer aux Lucioles. Mais vu que ce sont tes copains... T'as raison. Tu peux finir le boulot et empocher la récompense. Ça fait des années que j'ai pas vu les Lucioles. Mais tu sais où ils sont. Je ne te demande pas grand-chose, Tommy. Je veux un peu de matos. Juste de quoi repartir. Qu'est-ce qui te fait croire que je ferais ça pour toi ? C'est pas pour moi, Tommy. C'est pour ta foutue cause. Ma cause, c'est ma famille, maintenant. T'es pas en train de me parler d'une promenade de santé, là. Tu te fous de ma gueule ? Demande à Maria de rassembler quelques-uns de vos potes pour Ils le faire. Ils ont aussi une famille, mes potes. Tommy, s'il te plaît.
Tu veux du matos? Ok. Mais compte pas sur moi pour te débarrasser de cette gamine. C'est comme ça que tu me remercies, hein? Te remercie? Pour toutes ces années où je me suis occupé de nous. Occupé? Non mais tu veux rire. Tout ce qui me reste de ces années, c'est des cauchemars. Tu as survécu grâce à moi. Eh ben ça valait pas le coup. Je t'apporte le salut de l'humanité et tu oses jouer les petits frères pleurnichards. On n'est plus à Boston. Si tu lèves encore une fois la main sur moi, tu vas le payer cher. C'était quoi ça? On nous attaque. Tu sais encore tuer un homme, non? Ouais. Merde! Des bandits! Arrêtez-les! Les laissez pas entrer! Couvre-moi! Couvre-moi, j'avance. Par ici. Oh merde. Vous voyez quelque chose? Allons à la passerelle! Tony! Des bandits! Ils entrent dans le bâtiment! Vous pouvez sortir? Non, on est coincés. Bougez pas! Bougez pas! On va... Ils sont là! Ellie, cache-toi! Rien. Thank you.
va? Ouais, ça va. Joël! Oh merde! Ils arrivaient de tous les côtés à la fois! Et puis Maria a dit: écoute, il faut courir! Alors, on a plongé derrière cette table calme-toi, et calme-toi, écoute! Hé, hey, et... tu es blessé! Non! Putain. Il faut que je te parle. C'est hors de question! Dis-lui d'aller trouver quelqu'un d'autre! Maria, je veux pas avoir ça sur la course. Tu sais le nombre d'hommes qu'on a perdu ici aujourd'hui? Hé, qu'est-ce qui se passe? Que c'est en rapport avec moi? On parlera de ça plus tard. Est-ce qu'il t'a dit où était le labo? On parlera de ça plus tard. Plus tard. Je vois. Un seul faux pas et moi aussi je me retrouverai veuve, ok? Je dois le faire. Je sais pas quoi dire d'autre. Très bien. Maria. C'est parti. Vous, si quoi que ce soit, lui arrive, ce sera votre faute. Elle est reconnaissante. Ouais, je sais. Je vais emmener la gamine, t'as pas à t'en faire pour ça. On ira tout droit chez les Lucioles. C'est mieux comme ça. Ouais, peut-être que tout ça finira bien. Il faut que je parle à Ellie. Répète, j'ai pas entendu. Joël ! Quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Ta gamine, elle a pris un de nos chevaux et elle s'est enfuie. Eh merde, vers où ? Viens ! Je viens de la voir partir par là. Retourne à l'intérieur. Va aider les autres à nettoyer. Ok. Doucement. Faites attention. Là. Ouais. Tu vois ces traces? Allez. Elle peut pas être loin. On va la trouver, t'inquiète. Quelle tête de mule. Elle fait souvent ce genre de truc? Pas comme ça. Je sais pas ce qui lui prend. Elle n'est pas passée par là. Ellie, qu'est-ce qui t'a pris? Là, d'autres traces. Il y en a beaucoup trop. Fais le tour, je te couvre. You must be kidding me!
vais te faire cramer. Fils de pute. File aux chevaux. Les traces continuent par là. J'espère juste qu'ils l'ont retrouvé. Cheval, elle doit être là. La voie a l'air libre. Allez.
Comme ça, mettre ta fille en danger, c'est vraiment pas mal. Ouais, ben, je suppose qu'on est tous les deux déçus l'un de l'autre, alors. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Avoue que tu voulais te débarrasser de moi depuis le début. Tommy connaît ce coin mieux que personne. Ok, désolé, mais j'ai plus confiance en lui qu'en moi-même. Arrête un peu tes conneries. Qu'est-ce qui te fait si peur? Que je finisse comme Sam, je peux pas être infectée. Je peux me débrouiller combien toute seule. Combien de fois on a failli? Eh ben, on s'en sort plutôt bien, pour l'instant. Et maintenant, tu t'en sortiras encore mieux avec Tommy! Je suis pas elle, tu sais. Quoi? Maria m'a dit pour Sarah... Ellie! Et je... Là, tu t'aventures sur un terrain miné. Je suis désolée pour ta fille, Joël. Mais moi aussi, j'ai perdu des proches. Tu ne sais absolument pas de quoi tu parles. Les seules personnes que j'ai jamais aimées sont toutes mortes, ou m'ont abandonnée. Toutes sauf... sauf toi, merde. Alors me dis pas que je serai plus en sécurité avec un autre, parce que la vérité, c'est que j'aurai encore plus peur. Tu as raison. Tu n'es pas ma fille. Et je ne suis sûrement pas ton père. Alors, il est grand temps de se séparer. Préparez-vous, on n'est pas seul. J'en ai deux en approche. Et il y en a encore plus à l'intérieur. Reste derrière. Viens par là. Fais chier. C'est bon. Y a plus personne. Allez, on retourne aux chevaux. C'est bon. Tu veux de l'aide?
C'est bon. Voilà. Les gosses vont regarder des films ce soir. Il est où leur laboratoire ? À l'extérieur, à l'université de l'Est du Colorado. Allez, les bigorns. Ellie, descends ton cheval. Prends-le à Tommy. Je vais garder celui-là si ça te dérange pas. Allez, m'oblige pas à répéter. Qu'est-ce que tu fais ? Ta femme me fait un peu peur. J'ai pas envie d'avoir affaire à elle. Désolé d'avoir volé le cheval. Écoute, reviens en ville, on en discute au moins. Tu me connais, je suis têtu. L'université de l'Est du Colorado. Et où je le trouve, ce labo ? Dans le bâtiment des sciences. On dirait un miroir géant, tu peux pas le louper. Prends bien soin de ta femme. Il y a une place pour toi ici, tu sais. T'es prête ? Je suis prête. Adios, petit frère. Allez. C'est ça, c'est un turnover. Et si on atteint les 10 yards, retour au premier essai ? Première tentative, c'est ça. Oh, tu parles d'une prise de tête ? Il suffit d'un ou deux matchs pour bien comprendre les règles.